in the game. Salut à toutes et à tous, nous voilà en direct du temple du football argentin, la Bombonera évidemment à Buenos Aires. Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec celui qui a porté les couleurs de Paris et Monaco, notamment Omar Da Fonseca. Et sans aucun doute, on devrait assister aujourd'hui à une rencontre spectaculaire, l'Argentine contre la Croatie. C'est toujours une immense curiosité, un immense plaisir pour moi avant un match. C'est comme une page blanche à remplir ensemble. Voici les titulaires pour l'Argentine. Dans le but, on retrouve Emiliano Martinez, Cristiano Romero avec Nicolas Otamendi en défense centrale. Léo Messi sera avec Angel Di Maria sur les côtés. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Voici l'11 qui va débuter pour la Croatie. Dans le but, on retrouve Livakovic. Mateo Kovacic sera épaulé par Brozovic au milieu. Et pour terminer en attaque, c'est Andrei Kramaric. Ça y est, le coup d'envoi est donné. Oui, sans faute, c'est récupéré. Oh, voilà, 1-0 déjà, ça ne traîne pas, un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante, elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante.
Oh, le tir de loin. Eh, il y a du... Je lisais souvent du bon côté, les poteaux. C'est une faute signalée par l'arbitre et donc un coup franc. Ballon pour retrouver la possession. Attention pour égaliser. Goal, 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 goal. Et voilà ce but qui vient ramener les deux équipes au même niveau. On revoit ce but à le Carlos Bianchi au Pipo Inzaghi. Regardez, tout l'art d'être au bon endroit dans le bon moment, c'est ça, le buteur et le bonheur. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Un bon contre un joué peut-être. Aïe aïe aïe, ballon perdu. Un face à face à négocier. Le ballon n'est pas maîtrisé, attention. Oh oui, le but. En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire que des miracles, il faut aussi un peu de rousse. Et avec ce but, le score est maintenant de 2-1. Kramaric. Ah, c'est bien parti. Et ça joue avec Messi. Un peu de chance pour tenter une frappe. Et le gardien qui écarte bien le danger. Et encore un arrêt à mettre à son actif. Kramaric. C'est un ballon perdu. La progression de la part des Argentins. Ça sort, renvoie au 6 mètres. C'est un bon ballon, ça. Ah, le plus dur semblait fait dans ce duel. Pas évident, le côté émotionnel pour marquer, c'est toujours délicat. Attention à ne pas perdre ce ballon. C'est bientôt la mi-temps, la marge est fine, c'est vrai, mais pour l'instant, l'équipe locale est devant. Ce but d'avance donne une indication. C'est Kramaric. Oh, l'intervention du gardien, magnifique! Modric tire le corner. Et c'est bien boxé par le gardien. Et voilà, c'est terminé pour cette première période. C'est donc la mi-temps à la Bombonera. Et voilà, c'est le début de la deuxième mi-temps à la Bombonera.
pour Kramaric. Ah, la frappe longue distance. Et tout le monde est ravi, évidemment, pour Julian Alvarez. Il affiche un excellent niveau. Je vous coupe, c'est bien joué, ça. À l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Kramaric. Est-ce que ça va partir en contre, là? Et c'est donc une sortie de but. Les adversaires pressent. Brozovic. Le ballon leur échappe. Pasalic. Mais pas vraiment inquiété le gardien sur cette frappe lointaine. Et l'Argentine qui est en approche. Ah, l'action était bien partie et finalement c'est perdu. Andrei Kramaric. Et l'arbitre désigne la sortie de but. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. McAllister. Voilà là, la balle de match. Et non, pas de but sur cette très grosse occasion. Plus que quelques minutes. Et attention à ne pas avoir des regrets. Ah, c'est pas bien relancé là de la part du gardien. Encore quelques minutes à jouer, ce petit but. Mais c'est fragile. La tête doit rester froide, mais le cœur est chaud. Encore 2 minutes seulement à jouer dans le temps réglementaire. Il y a du soutien en attaque. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. C'est terminé, l'arbitre qui met un point final à cette rencontre avec une victoire de l'Argentine.